rassemblés, libres et jeunes devant toi. Brille nos vies sur terre, fais lever ta lumière. Ça va toujours que il reste deux pâtes de lait. Il y avait deux pâtes. Il faut voir avec Marie. Ça, en fait, j'ai vu deux pâtes de lait moi pour donner sur le ce que je vais faire. Sylvie, cette tente 3 minutes. C'est pas le moment là. C'est la tente 3 secondes ou 90 secondes. Hein. On va voir maintenant si je suis bonne ou pas. Alors là, moi, je veux voir la démonstration là, parce que tu vois dans les trucs de Décathlon, c'est toujours très simple. Et après, je crois qu'en fait, il faut avoir fait des études pour faire ce truc. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs en regardant derrière un écran, tu vois. Ici, nous avons affaire à de vrais campeurs qui ont du matériel qui a été high-tech, voilà, c'est ça, c'est le camping. Je crois que Baden Powell a utilisé cette tente, non? C'est fort possible, c'est fort possible. Bon, et comment ça se passe? Difficilement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? On a le bout du piquet qui est bloqué. Bon, alors en lisant les yeux doux, ça marche ou pas? Je sais pas. Déjà essayé, ça marche pas. Nous venons te donner, nous voici rassemblés, libres et jeunes devant toi. Brille nos vies sur terre, fais lever ta lumière, nous sommes unis dans. Alors, Père Ignace, cette tente. Est-ce qu'elle se monte et se démonte facilement? Oui. Après la première étape, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Pour cette expérience du camping? Super. C'est agréable d'être au milieu des bêtes, se faire piquer, tout ça? Oui, c'est beaucoup plus naturel de vivre sous la tente. Nous avons notre pèlerin la plus classe. Qui arrive avec sa petite valise sur roulette. Et regardez, montre-nous le clou du spectacle. Regardez ce qu'il y a sur la valise. Regardez bien sur la valise. Qui sont ces deux adorables petits peluches? Alors, il y a un lapin, c'est ça? Oui. Et un petit tigre. Alors, montre-nous ton lapin et ton petit tigre. Alors ça, c'est le tigre. Tigrou. Alors, et l'autre, c'est le carotte. Carotte. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Carotte? C'est le tigre qui lui a mangé une oreille? Non, c'est moi. C'est toi qui lui a mangé une oreille? Oui. Alors, est-ce qu'elle était bonne? Ça va. Ça va. Et elle est où cette oreille alors? Ben, je sais pas. Bon, et tu te sépares jamais de tigre et de Carotte? Est-ce que tu penses que tigre et Carotte ont fait un bon pèlerinage? Oui. Est-ce qu'elles se ressentent plus sanctifiées de cette marche vers Rocamadour? Oui. Bon, elles auront aussi la sportelle? Oui. Waouh! Bon, est-ce que tu as bien dormi? Oui. Mais j'ai mal partout. T'as mal partout? Bon, ça veut dire que c'est une nuit un peu spartiate, c'est ça? Mm. Bon, est-ce que tu es heureuse d'être ici? Oui. Ici, nous avons le benjamin des bois. Donc, le benjamin des bois est une espèce assez rare que l'on retrouve dans des terriers spéciaux qu'on appelle le French Black. Donc, voilà, ici. Quand il est en mode somnolence, on voit juste ses pieds. Donc c'est assez rigolo. Pourquoi il n'y a que nos couverts? À l'époque où j'étais jeune et où je campais, il n'y avait pas tous ces appareils. Voilà. C'était au siècle dernier, ça, non? Comment? C'était au siècle dernier? Oui, oui, remarque, c'était au siècle dernier. Ça date un peu. Tu veux quoi? Du lait? Non, qu'avec ça. Oui, mais tu veux de l'eau, alors? Un god, je te sers. T'as pas tout mis? Non. Tu veux pas mettre le reste? Alors, les garçons sont allés prendre le café et je vois que les filles sont en train de travailler. C'est la juste répartition des choses. Louise, que penses-tu de cette répartition? Bah, c'est tout à fait juste, hein, les garçons, ils sont flemmards, ils font jamais la vaisselle, n'est-ce pas? Céline, il y a une exception à la Céline, est-ce que tu penses une que exception. Ah, non, pardon, Céline, pardon, est-ce que pardon, tu penses que c'est bien que les femmes soient à la vaisselle? Je pense que les femmes et les hommes peuvent faire la vaisselle ensemble. Oui, mais de fait, on retrouve qu'il n'y a ici que des femmes. Non, il y a le Père Ignace. Oui, mais le Père Ignace, il a un statut particulier. Il y a aussi vous qui filmez.
Les femmes sont en train de faire la vaisselle. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ah, c'est une très bonne idée, oui. Après, moi, je ne fais pas rien du tout. Donc là, je suis en train de servir le café pour toutes celles qui font la vaisselle. Voilà. Bon. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne répartition, ça? Ben écoute, sachant que j'avais fait la vaisselle déjà deux fois dans le camp, oui, c'est une bonne répartition, tout va bien. Bon, ça va. Ouf. Tout donner pour ta gloire, en ton nom notre espoir, libre et jeune devant toi. Une seconde chance est donnée, dont l'esprit pardonné fait grandir en nous la foi.